Hey yo, salut à tous, c'est Sacrématique, je sais que vous allez bien et vous savez que moi, ça va super. Aujourd'hui un petit tutoriel sur un effet, enfin un effet, plus ou moins, Trozzi, aujourd'hui. Un effet que tout le monde connaît si vous pratiquez un minimum Cinema 4D, étant donné que quand on tape Cinema 4D sur YouTube, les premiers effets qu'on apprend, c'est avec le plugin Trozzi qui est ici. J'aime pas l'effet Trozzi parce qu'en fait, c'est un effet qui est... Comment dire, tout le monde l'utilise. Quand vous voyez des... Pas forcément des templates, parce que beaucoup moins. Mais quand vous voyez des tutoriels ou des intros de débutants, etc. Ce sera toujours avec Trozzi, toujours au même endroit, avec les mêmes effets. Et ça, ça a une raison, c'est que quand vous tapez Cinema 4D directement, ou faire intro Cinema 4D, ce genre de choses, vous tombez sur le premier tuto, c'est cet effet avec Trozzi et un effecteur par-dessus. Non pas que ça soit moche, de base ça peut être très beau, on va voir ça. Enfin très beau, oui, ça sera pas exceptionnel, ce sera du Trozzi toujours, mais n'empêche que ça changera bien de ce qu'on peut voir habituellement, ce qui est mon but. Et du coup à ce moment-là déjà se démarquer de tout le monde. Par contre, dans ces tutoriels-là, ou des tutoriels, ça dépend comment vous dites, mais il me semble qu'on dit tutoriels... le souci, c'est que il y a des tas de choses qui ne sont pas vues, étant donné que la personne qui fait ses tutos à cette époque-là, en tout cas, du moins, était débutant. Comment dire ? Je croyais que je filmais pas. Désolé. je me suis senti très con pendant 3 secondes là. Était débutant donc à l'époque où il a fait ce tutoriel là. Et donc c'est non sans mal bien sûr de sa part. Hein, il pensait bien faire, mais il y a des tas de choses qui ne sont pas vues, comme l'éclairage par exemple, ou bien le placement et puis l'effet en lui-même qui est pas forcément très bien réussi. En tout cas, on peut faire bien mieux et on va voir ça. Tout de suite. Alors, on va commencer par faire un setup de base des tutoriels qu'on peut voir au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un mot texte de base avec un effet Trozzi dessus. Chose extrêmement importante qui m'horripile, quand vous avez un texte, le déplacez pas pour le mettre au centre, comme ça c'est complètement con. Vous avez ici alignement du texte, centré. Voilà, là il est mathématiquement au centre. Et pour vos déplacements de caméra, par la suite, on le verra que c'est extrêmement utile. On sait où est le centre, là il est mathématiquement au centre, et là c'est nickel. Parce que là, on voit que, oui, la lettre du milieu c'est le X, donc ça devrait être au milieu du X, mais alors que pas du tout, on le voit. Même si ça se voit pas forcément, le fait que votre scène soit propre de base nous facilitera la tâche par la suite. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? On va lui mettre une profondeur de 40, on va lui mettre une police d'écriture. Mettez votre police d'écriture préférée, hein. Peut-être que vous en avez une petite préférée. Moi je vais prendre Forced Square. Non, elle est horrible. Ouais bon, on va pas passer 2 ans à trouver. Ok, on va pas passer de... Oh bah elle est très bien celle-là. Et on va taper notre pseudonyme. Qui est moi en l'occurrence Sacrigmatique. Ok. Ensuite, on va mettre par exemple. Généralement, c'est un sol comme ça, copier-coller, et un sol comme ça. Vous pouvez. Moi, je vais pas mettre le sol derrière. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi tout de suite, puisque en fait mon texte, comme vous le voyez, il est un peu spécial. C'est que moi j'ai un G qui dépasse en dessous. Du coup, c'est soit je le laisse en l'air, c'est nul, soit je le pose à partir du G, c'est nul, et soit je le mets comme ça, et c'est encore plus nul. Décidément, on n'a pas, d'inspiration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement le poser en long, ce qu'on peut très bien faire. Hein. Même si ça suit pas exactement le tuto, vous pouvez le mettre à la... on va illustrer comme ça, quand on sait pas parler, on montre. Vous pouvez le mettre de cette manière, donc droit. Si c'est plus adapté pour vous, bien sûr c'est votre intro, donc vous faites comme vous voulez. Vous pouvez adapter des tas de choses. Comme les matériaux, etc. Qu'on va voir d'ailleurs. Et je vais le mettre, on va dire, là. Voilà. Ce sera très bien. On va lui mettre un couvercle. Couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Là, c'est bien trop grand. On va mettre 1 cm. 1 cm.
Étape, c'est 3 minimum, mais on peut mettre 5. On va mettre 5, parce que nous, on a la grande classe du monde. Et ça nous donne... de la merde. Ok, alors maintenant... chose très importante. Il faut ranger votre scène. Ici, à la place de mot texte, vous double-cliquez gauche dessus et vous tapez votre texte. Et j'ai oublié quelque chose. Et ensuite, vous tapez base. Pourquoi ? Parce que celui-là, on va le décocher et on va copier-coller et travailler sur celui-là. Comme ça, de cette manière, dès que vous avez un souci, votre texte il est déjà fait. Il y a les bons couvercles, le texte, la police, il y a tout, il n'y a plus à rechoisir. Ça prend rien comme place, vous le décochez et vous faites une copie. Mais à ce moment-là, vous enlevez le bas. C'est pas obligatoire ça, mais on s'en fiche. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je veux ? Je veux que ça soit un seul objet, mais non paramétrique, donc polygonal. Pour ça, je vais ici ou je vais sur la touche C de mon clavier. C. Ensuite, on fait CTRL et on clique sur le petit plus, qui va nous ouvrir tout l'arbre des objets. Et on peut voir que ce sont des extrusions que l'on peut modifier indépendamment. D'ailleurs, ça c'est plutôt cool. Mais ça va pas nous servir ici. On va tout sélectionner et encore cliquer sur, enfin cliquer ici ou taper sur C. Voilà. Encore une fois, contrôle et double clic sur le moins et sur le plus ensuite. On prend la première lettre, le dernier couvercle de la dernière lettre, et avec Shift, clic gauche. D'accord ? Ce qui nous fait tout sélectionner. Clic droit, connecter les objets, puis supprimer. Plus supprimer, voilà. Ce qui va nous faire un seul objet, que l'on va appeler sacrilégique. Votre pseudo, vous pouvez l'appeler texte, vous pouvez l'appeler autruche. Ou ce que vous voulez, ça change rien, c'est tant que vous vous repérez dans votre dans vos objets. Ici, ça sert pas à tant que ça de faire de nettoyer la scène. Par contre, si vous voulez faire des choses un peu plus complexes, le fait que ça soit propre, vous verrez que vous gagnerez en lisibilité et donc en productivité. Et ça, c'est extrêmement important. Si jamais vous voulez bosser là-dedans ou faire un truc tout au moins propre, professionnel, vous devez nettoyer ces choses, ce genre de choses, donc l'arbre des objets et la scène. Ensuite, on a notre texte de base en format polygonal, et c'est là que on va appliquer notre effecteur. Pas du tout, on va appliquer notre effet Trozzi. Je fais tout à l'envers, ça me regarde. Ok, alors, avant d'utiliser Trozzi, extrêmement important, surtout que là en plus on va faire du Voronoi, je vais vous expliquer ce que c'est. On sauvegarde, donc CTRL S. On va le mettre donc moi dans mes projets en cours, et puis je vais l'appeler tutoriel Trozzi. Vous savez que je sais jamais comment ça s'écrit, Trozzi. Trozzi. Y a pas un H quelque part? Trozzi. Aucune idée, on va mettre ça comme ça. Module externe, c'est ouais, Trozzi. Sauf que c'est pas un Y, c'est un I. Super. Bon, c'est pas grave, on a quand même la classe. Donc, on sauvegarde, CTRL S. Ayez ce réflexe, moi des fois même je me déplace comme ça, je fais rien, et d'un seul coup je fais CTRL S 4 fois, je me redéplace, CTRL S, c'est pas grave. Ça mange pas de pain. Et donc, Trozzi. Alors, la différence entre Random et Voronoi. Random, ça va vous mettre de façon, comment dire, très brute. C'est-à-dire que vous aurez des cassures qui seront très brutes et vous aurez des polygones généralement de 4 ou 5 jusqu'à 8 faces, mais ce sera très sec. Tandis que Voronoi, si vous savez un peu ce qu'est le bruit Voronoi dans les textures, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il est dans bruit, et il me semble qu'il y a un bruit qui s'appelle Voronoi. Ouais, donc ça se verra pas là. Voronoi 1, 2, 3, ça a cette forme-là. Et là, c'est des cassures qui sont un peu plus spéciales. On l'utilise d'ailleurs pour faire, par exemple, les cassures de la porcelaine. Ça se casse avec un bruit Voronoi. C'est très ressemblant à la réalité. Et c'est plus joli. Et c'est, par contre, pardon, en bêta. Et donc c'est très instable. C'est pour ça que j'insiste, sauvegarder avant, parce que sinon vous allez tout refaire. Non pas qu'il y a grand chose,
mais recommencer quelque chose, aussi infime soit-il, c'est chiant. Et puis on va mettre par exemple 10 pièces, voilà. Le seed, vous pouvez mettre ce que vous voulez, de toute façon avec tous les textes différents ça changera rien. Si vous avez plusieurs textes à casser par contre, vous pouvez changer le seed si les textes sont les mêmes. Si c'est la même police d'écriture et qu'il y a plusieurs lettres pareilles dans les mots, je vous conseille de mettre un différent seed. C'est-à-dire que ça va changer le bruit, mais ce sera toujours du Voronoi. C'est un peu abstrait comme ça, mais je vous expliquerai ça quand on fera les matériaux, quand je les ferai. Randomize clear age, on s'en fiche. By null, on s'en fiche. On met rien, on s'en fiche. Keep original object, on pourrait. Mais non, on a déjà notre objet base ici. Et find polygon connection, oui. Break. Selon votre configuration, ce sera plus ou moins rapide, mais généralement c'est très rapide même sur les petites configurations. Voilà. Et on se retrouve alors avec un objet fracture. D'accord ? Et donc un objet mograph. Mograph fracture. Pour chaque lettre. Pourquoi un objet fracture ? J'en sais rien du tout. Peut-être que c'est plus adapté pour ce genre de choses. C'est peut-être comme ça que le plugin fonctionne, j'en sais rien. En tout cas, c'est un objet mograph et donc utilisable avec des effecteurs. Et c'est cet aspect-là que l'on va utiliser autant que les autres tutos, mais de façon classe, parce que nous, on a des grosses boules. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre tout ça. Donc, clique sur le premier, clique sur l'autre en faisant Shift, Alt-G, pour les grouper. Et ensuite, on fait Ctrl, le petit plus, pour ouvrir tout l'arbre des objets. Et puis on va faire ça pour prendre tous les objets fracture. Voilà. Et ensuite, attention, on fait CTRL SHIFT et on prend tout. J'espère que je me suis pas planté. Parce que d'habitude, en fait, quand je l'explique, ça paraît stupide, mais voilà, superbe. Et du coup, ça va nous prendre notre sélection avec SHIFT. Et ça va nous inverser notre sélection avec CTRL, ou l'inverse, j'en sais rien, je crois que c'est l'inverse. En tout cas, une fois que vous avez toutes vos pièces, vous faites ALT-G, magnifique. Et du coup, on a notre neutre avec toutes nos pièces. Ce qui nous nettoie la scène, encore ce souci de nettoyage de scène. Et ici, on va écrire, par exemple, fracture. On va plutôt écrire TROZY. Cette fois-ci, on va essayer de l'écrire bien. TROZY. Je suis persuadé qu'il y avait un Y, hein, pourtant, c'est dingue. TROZY, sacrigmatique, par exemple. Si vous avez plusieurs textes, précisez le texte. Moi, je le précise parce que je fais ce que je veux. Ensuite, on prend toutes les pièces et on les déplace dans TROZY sacrigmatique. Notre neutre ne sert plus à rien. Ça, on peut le sortir parce que l'autre neutre ne sert plus à rien. Voilà, on peut ranger ça et on a donc notre TROZY qui est tout beau, tout propre, terminé. C'est cool. On a notre texte, quand on fait un rendu, on voit qu'il n'y a aucune cassure, d'accord ? Je sais pas d'ailleurs comment vous faites tous, mais des fois il y a des cassures qui sont immondes, je sais pas comment vous faites. N'empêche que pour ceux qui ont ces cassures-là, je vous conseille ici, vous avez le tag de Fong, supprimez-le, ce sera beaucoup plus joli, parce qu'en fait le tag de Fong va en fait adoucir les bords lui-même par Cinema 4D de base, même si je vous illustrerai ça mieux pas là, mais en tout cas supprimez-le, regardez ce que ça fait. Si ça fait toujours pas beau, moi je pense que ça fera beaucoup plus beau, gardez ça, sinon vous faites CTRL Z et vous gardez votre tag de Fong, mais dans tous les cas essayez, je vous garantis que ce sera vraiment mieux, d'un point de vue esthétique évidemment. Donc notre TROZY sacrimatique, donc votre TROZY, entre guillemets, choisissez votre pseudo. On va activer. Attention, incroyable. On vient d'activer l'objet fracture. Et on enlève surtout l'objet dynamique. Ça ne va pas nous servir pour le moment. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire ? Comme j'ai dit, c'est un objet mograph et donc il est compatible avec les effecteurs mograph. Ici, on va ajouter des effecteurs pour faire un effet sympathique de in et de out, c'est-à-dire une entrée de texte. Qui pourra servir de sortie de texte. La sortie, je la ferai pas parce que c'est exactement la même chose, mais en sens inverse, en inversant les clés d'animation. Mais vous verrez que de toute manière, on pourra le faire, vous pourrez le faire vous-même et en plus l'adapter pour vous, et ça, c'est kikou cool. Alors, on prend mograph, effecteur, et on va commencer par un effecteur randomisation.
L'effecteur en domination, on l'a vu dans une vidéo précédente, ça va foutre du bordel dans votre scène avec avec toutes vos pièces, là en l'occurrence de Trozzi. On va régler ça déjà pour que ça soit déjà plus logique d'utilisation. Déjà, on va laisser ça comme ça. On va mettre une atténuation. Effecteur en randomisation, atténuation, forme, linéaire. On l'a vu dans la vidéo précédente, hein, toujours, donc je ne l'explique pas. Si vous voulez comprendre mieux cet effet, allez voir la vidéo. Mais de toute manière, c'est simple, donc bon. À la limite, regardez pas mes vidéos, regardez juste celle-là, ça ira certainement très bien si vous n'avez pas envie de comprendre ce qui se passe. Ok, et donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, on explique vite fait, on voit qu'en fait, là, on a une atténuation. C'est-à-dire que ici à droite, l'effet, il est à 100% au-dessus. Là, il est à... Non, c'est l'inverse, pardon. Je suis désolé. C'est à 0% ici. 50% ici. 100% ici. Au-delà, c'est 100%. Et au-dessous, c'est toujours 0. Ce qui fait qu'on peut animer ça de façon à ce que ça arrive dans le sens inverse de lecture, par exemple, quand on va filmer. C'est un exemple. Ou l'inverse, c'est-à-dire qu'on pourra le voir et ensuite il se cassera et puis voilà, on s'en fiche. Vous avez très bien compris. Et quand bien même, allez voir ma vidéo sur l'effecteur randomisation, je me fais de la pub, je m'en fiche. Extrêmement important, on va le mettre à 0 et ici Y250, c'est pas important, on pourrait le mettre à 0 comme à 80 000, ça changera rien parce que ça fonctionnera toujours autant. On va le mettre à 250 parce que ce sera plus pratique ici en l'occurrence pour ma scène. Ensuite, on va régler l'apparition. Alors là, l'apparition, par exemple, là, qu'est-ce que c'est ? C'est comme ceci. Alors, par exemple, là, on va mettre, je ne sais pas, par exemple, moins 100. Qu'est-ce que ça donne ? Ce sera comme ça, tout va se placer de façon, voilà, ok. Y, donc c'est la hauteur. On voit que ça monte. Est-ce que ça peut pas plus monter ? Voilà, 150 par exemple. Je mets toujours des valeurs pleines, je sais pas pourquoi, je trouve ça plus propre. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je trouve ça plus propre parce que je suis un gros maniaque. Et Z, c'est la profondeur, donc on le verra plus comme ceci. Et on va dire ça, ouais, comme ça, ça c'est cool, ça c'est cool. Donc 150 aussi, ok. On va dire X moins 100, Y et Z moins 150, tout court. Et ça marchera très bien. Par contre, il y en a en dessous et ça, ça me gêne un peu. C'est pas grave, on va remonter juste un chouïa le texte. Pour ça, on va mettre la vue du de côté, je veux dire. Et notre ligne rouge, c'est notre sol. Donc on va mettre pour voir que le... Voilà, qu'il soit légèrement dans le sol. Mais que y ait le biseau qui va faire une très jolie ombre en dessous. Que l'on pourra exploiter plus tard. Et vous verrez que ça ajoutera un petit cachet. Ensuite, notre effecteur randomisation, il est à X 0 et Y 250. Y, on s'en fiche, l'important c'est X 0. Ensuite, on va ajouter un autre effecteur. Oui, vous avez très bien entendu, un autre effecteur, c'est incroyable. Ici, on est des fous, mographe, effecteur, et on va ajouter un effecteur simple. Comme dit dans la vidéo précédente, sur l'effecteur simple, de base, Cinema 4D prend la position de tout le monde entier d'où il est, donc là en l'occurrence sur Trozzi Sacrimatique, donc l'objet fracture, on peut voir qu'il y est ici dans l'effecteur. D'ailleurs, si ça ne fonctionne pas chez vous, que l'effecteur randomisation n'a aucun effet, vérifiez dans votre objet fracture, excusez-moi, dans effecteur, vous avez vos effecteurs ici, s'il n'y en a pas, s'il y en a pas un, vous pouvez le déplacer tout simplement. Et ça fonctionnera. Voilà. Vérifiez ça. Si jamais vous bloquez, on sait jamais. C'est très simple. Mais moi, je me suis déjà fait prendre au piège des milliards de fois. Notre effecteur simple. Donc, on va lui mettre une atténuation linéaire encore. Parce que l'atténuation linéaire, c'est cool. On va le tourner dans le bon sens, en l'occurrence. Bon, il n'y a ni de bon sens, ni de mauvais sens, mais... On va le tourner dans ce sens, dans le sens de lecture, à 250 de hauteur, et on va le décaler un tout petit peu. On va dire à moins 50, par exemple. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y aura une atténuation sur 50 cm ici. Il y aura un changement entre l'effecteur simple et l'effecteur randomisation, où ils seront tous les deux, où le texte sera affecté par les deux.
les deux effecteurs. Bon. Ok, maintenant on va mettre les paramètres. Alors qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a une connerie. On va faire un truc, c'est que l'effecteur randomisation. Parce qu'en fait, je suis toujours sur les pièces qu'il y a en dessous là. Ça me gêne un peu. On va enlever ça. On va enlever ça. Je trouve ça pas très propre. C'est Y. On va mettre, je sais pas, 10. Voilà. Donc ça, c'est l'effecteur. On va mettre 50. Voilà, 50, ce sera très bien. Et l'effecteur simple, lui, bien sûr, va monter tout ça. On va faire gaffe à ce qu'il n'y ait rien qui touche au sol. On va se remettre dans la vue du côté et toujours cette ligne. On va mettre ça comme ça par exemple, ce sera très bien. Voilà, le tout c'est ici parce qu'après ça va disparaître à partir de là. Vous verrez comment faire ça, vous verrez comment on va faire ça. Donc 50, c'est très bien. X. Ça va décaler légèrement, ça c'est plutôt cool, moins 50, et ça c'est vers le haut, comme ça on va accentuer notre effet. 150, qu'est-ce que ça donne? Oui, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Ok, et on garde ça. Ensuite, et c'est là où est tout le secret incroyable, on copie et on colle l'effecteur simple. Étant donné qu'on a deux effecteurs simples, ça, il va falloir les nommer. Le premier effecteur, on va l'appeler... simple position parce qu'il s'occupe de la position, et l'effecteur l'autre on va l'appeler simple échelle, voilà, parce qu'on va non pas s'occuper de la position mais de l'échelle. Merci Captain Obvious. Et on va le décaler tout d'abord de moins 50 par exemple, comme ça ce sera linéaire de plus 100 à moins 100. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, c'est pas grave, mais ça fait tellement classe de le dire qu'on va faire comme si c'était classe. Échelle uniforme. Excusez-moi, des fois j'ai des petits bugs parce qu'en fait je sors d'une maladie et du coup j'ai envie de tousser. Et on va mettre moins 1 en échelle. Vous verrez que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on a dupliqué un effecteur et donc il faut le remettre dans les effecteurs qui affectent l'objet fracture. Donc on prend l'effecteur simple et on le déplace à n'importe quel endroit. Ici. Voilà. Et on peut voir donc que notre effecteur a... un effet incroyable. Ok. Maintenant, les trois effecteurs, on va les grouper. On parle sur Skype. J'adore quand on me parle sur Skype. Pendant que j'enregistre, ne pas déranger. Je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là nulle part. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir déplacer notre neutre pour faire fonctionner tout ceci. Alors, attendez, parce qu'en fait... Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que, déjà, on peut faire apparaître notre texte. Donc, on a notre in. D'accord. Notre entrée, on peut voir que ça vient, ça se place tranquillement et c'est plutôt classe. Non, franchement, c'est bien. C'est vraiment très sympa. On peut faire quelque chose de très fluide qui sort du lot et c'est vraiment sympathique. Ok, on va garder ça. On va garder ça. Maintenant, extrêmement important, on va faire notre clé d'animation. Pourquoi on a groupé ça? Parce que déjà, les trois, on veut les déplacer en même temps puisque c'est. Un effet de base. En fait, c'est trois effecteurs qui forment un seul effet. Qui est, excusez-moi encore, la randomisation, donc le hasard, que l'on voit ici. Ensuite, la position qui va les placer correctement. En fait, la randomisation va les placer correctement, mais la position va encore plus les déplacer, donc ça va accentuer cet effet. Et bien sûr, l'échelle qui fait que ils apparaissent. On peut voir très bien qu'ils apparaissent. Mais n'empêche que ça forme un seul effet à l'œil. C'est-à-dire que nous, on va le voir comme ceci. On verra que c'est un seul effet qui fonctionne plutôt bien. C'est plutôt bien. Voilà. Franchement, c'est bien. Pour un débutant, franchement, si débutant, on m'avait montré ça, franchement, j'aurais dit génial, comment tu fais un tuto et tout. Enfin, j'ai dit ouais, ouais, j'aurais fait ça. Ta gueule, j'aurais fait ça. On va mettre ça à zéro. On va faire notre clé d'animation. Alors. Il faut que je vous explique quelque chose de très important. Étant donné que ici, on va voir comment optimiser sa scène plus ou moins, c'est-à-dire que je ferai un tutoriel exprès pour comment optimiser notre scène vraiment bien à partir de la R15, étant donné que dans la R15, pour l'illumination globale, etc., on peut faire quelque chose de plus précis au niveau des paramètres de rendu.
illumination globale, vous voyez que ici on peut modifier des tas de choses qu'on n'a pas dans dans des versions antérieures à la R15. Je pense notamment à la R13 qui est très bien, la R14 que je trouve pas spécialement géniale à part pour le sculpting peut-être, et encore que il me semble qu'il était dans le 13, et la R15 qui est juste génial. Je rappelle juste pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité qu'aujourd'hui on est le 9/08/2014, et pour ceux qui verront ce tutoriel, Cinema 4D R16 est sorti avant-hier. On voit en tout cas dans la semaine, il semble que c'est avant-hier, et ça a l'air plutôt génial, ça a l'air plutôt sympa, mais ça j'en ferai une vidéo peut-être, si en cours dans ma tête, je ne sais pas, je vous dirai. Teasing, encore une fois, bref, on continue le tutoriel peut-être. Donc on a notre effet, on a notre neutre. Oui, donc je disais qu'on va optimiser notre temps de rendu. Notre temps de rendu, d'accord ? C'est-à-dire que les paramètres de rendu seront optimisés, donc ça va directement affecter notre temps de rendu. Donc n'hésitez pas à ajouter des frames, d'accord ? C'est très important. À partir de maintenant, depuis très récemment, YouTube accepte le 60 images par seconde. Vous pouvez faire une intro en 60 images par seconde si vous filmez, par exemple pour des gameplays, en 60 images par seconde. Vous pouvez très bien faire ça. Je rappelle que vous allez ici et dans sortie, vous choisissez 60. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire, d'accord ? Je sais pas pourquoi je vous crie dessus. On va laisser 30 ici puisque ça nous sert pas, mais n'empêche que plus vous mettez de frames, plus c'est fluide. Vous pouvez en mettre 120, vous pouvez en mettre 8000, mais ça servira à rien. YouTube accepte jusqu'à 60 depuis très récemment. C'est déjà très très bien, on peut avoir des trucs très très fluides. Si vous voulez faire du 30 fps ou du 24 images par seconde, faut rajouter des frames ici pour avoir un mouvement fluide. Plus il y a de temps de mouvement, on peut voir ici que là on voit très rapidement, il n'y a pas assez de frames pour que l'animation se... comment dire, oh j'avais un mot super, se... excusez-moi, je sais plus, en tout cas on voit qu'il n'y a pas assez de frames pour voir pour que l'animation s'exprime, voilà. C'est complètement stupide de dire ça comme ça, mais n'empêche que c'est comme ça, c'est-à-dire que si on met 3 frames, il n'y aura que 3 images, donc ça va être là, là et là, ce sera pas beau. D'accord, ce sera pas beau, on verra pas l'effet, c'est stupide. On va mettre ici 250 frames. Il faut savoir que si vous mettez 60 images par seconde, 60 frames c'est une seconde. Si vous mettez 30 images par seconde, 30 images c'est une seconde. Vous pouvez aussi mettre 30 fois avec votre petite étoile et votre nombre de secondes que vous voulez. Par exemple, je veux 5 secondes. Il va mettre 150 frames. Ça, c'est génial. Et ça, vous pouvez le faire dans, par exemple, dans les coordonnées, ici, dans les positions. Excusez-moi. Dans tout. Tout où vous pouvez... tous les champs, ici, où vous pouvez entrer des numéros, vous pouvez simplement... des nombres, je cherche... Est-ce que c'est pas alphanumérique ? Numérique, tout court. Un champ où vous pouvez entrer des données numériques, vous pouvez multiplier, soustraire, additionner, vous pouvez faire tout ça. Petite astuce, parenthèse fermée, on va continuer le tuto parce que là, je m'étends d'une force incroyable. Donc là, on va dire ça pour 5 secondes. Ben, moi, ça me... Bon, allez, 5 secondes sont... ça fait court quand même, 5 secondes. Bon, pour un effet aussi simple, on va dire... ouais, non, 7 secondes, c'est bien. On va faire 30 fois 7. 310 frames. Ok. On va à 310 frames. Alors, on prend notre neutre ici, qu'on va appeler effecteur, par exemple. Pas effecteur. Effecteur. Ça s'écrit pas comme ça du tout, effecteur. Si, mon graphe. Effecteur, d'accord. Bon, je sais pas pourquoi. On va à 0. Frame 0. On pose une clé. On peut poser une clé juste sur position, comme ça vous n'avez pas échelle, rotation ou autre, donc pareil, pour le moment ça vous sert pas. Par contre quand vous verrez votre ligne temporelle plus tard, ça vous servira pour optimiser encore la lisibilité dans votre ligne temporelle. Clé, on va mettre une clé quand même, on va dire déjà que je fais une grosse connerie parce que je veux un in, donc je veux que... ils apparaissent. Donc on va mettre ça là, un petit peu plus loin, que ça laisse un peu de temps. Clé. On va à la fin. 208 frames. Et on va là, par exemple. Voilà. Il va nous faire donc l'animation, le calcul automatique. Chaque petit point, ça représente une frame. On va à 0. Lecture, on va voir ce que ça donne. C'est cool, c'est cool.
on garde ça. Ok. On va quand même prendre nos clés ici. Et au lieu de l'interpolation, on va pas mettre spline, on va mettre linéaire. Et celle au début aussi. Voilà. Ça va changer qu'en fait, elle va avoir tout le temps une vitesse constante plutôt que d'aller, par exemple, ici à telle vitesse, d'aller plus vite ici et ralentir à la fin. Je trouve ça plus joli. Du coup, c'est un peu plus fluide et surtout, c'est linéaire. Et donc, c'est, comment dire, c'est linéaire. Du coup, moi, ça me parle de lui-même, ce mot. Mais, comment dire, c'est un peu comme quand vous avez un mouvement de caméra, comme ça, qui fait tranquillement un travelling latéral, comme ça. Bon, en plus droit, parce que là, je le fais à la souris. Donc là, j'ai l'impression d'avoir Parkinson, mais de ce genre. Au lieu que un travelling, c'est fluide. Vous savez, c'est un mouvement linéaire, même vitesse tout le temps. Plutôt que ça fasse comme ça, très rapide, et ça ralentisse ensuite. Bon, là, je l'illustre très très mal. Mais peut-être que vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas grave. C'est pas si grave. Oh, c'est pas si grave. Ok, on a notre effet, c'est cool. Qu'est-ce qu'il nous faut ensuite ? Il nous faut les matériaux. Ici, au cas où vous ne l'avez pas encore remarqué, si vous n'utilisez pas encore très bien Trozy, vous avez vos matériaux qui sont ici. Sur Cinema 4D R15, on a des tas de choses étant donné que on a rien de nouveau par rapport au précédent. Donc ici ça va fonctionner pour R13, R14, même à partir de la R11.5 il me semble. Sauf que il me semble que la spécularité, il y avait quelque chose de différent. Je ne sais plus si c'était avec la réflexion qui était dans spécularité ou l'inverse ou un truc de ce genre, je ne sais plus. C'est pas très grave. On enlève la spécularité. Extrêmement important, la spécularité, c'est moche. Ça peut être beau, mais il faut savoir la gérer. En l'occurrence, au début, on sait pas la gérer. Moi, je peux vous apprendre ça, dans auquel cas, commentez, envoyez-moi des messages, comme à votre habitude. Mais la spécularité, pour le moment, vous la désactivez. C'est pas beau, et en plus, ça montre que vous êtes débutant parce que vous décochez pas cette case, parce que c'est moche. C'est moche, la spécularité. Quand c'est mal géré, c'est moche. La couleur, qu'est-ce qu'on va faire comme couleur ? Ici, on peut voir que le cut outside, c'est l'extérieur, hein, d'ailleurs. On va l'appeler juste out, par exemple. L'extérieur, je vais le faire d'une couleur, je ne sais pas, ouais, plutôt bleu, un joli bleu, comme ça, voilà. Ça, ce sera très bien. On va lui mettre une petite réflexion. On va apprendre à gérer la réflexion. Pour le moment, on va mettre 30%, par exemple. On va laisser ça comme ça. Et c'est tout. On va laisser ça comme ça. Et le inside, qu'on va renommer in, on va lui mettre une couleur blanche, bien blanche, et pas de spécularité. C'est tout. De cette manière, quand il sera au milieu, on voit que l'intérieur est en blanc, de base, comme si, comme si c'était blanc, et l'extérieur en bleu, comme si c'était bleu. Voilà, moi je trouve ça cool. Ok, alors maintenant, très important, on va faire l'éclairage. Oh mon dieu, l'éclairage, il y a des tutoriels, il y a de tout, comment faire un éclairage studio, alors que c'est pas du tout un éclairage studio, c'est catastrophique. Très récemment, il y a des grands youtubeurs qui font des tutoriels, j'hésite toujours à dire tutoriaux, c'est chiant, faut vraiment que je choisisse des tutoriels sur comment faire un éclairage, alors que c'est pas du tout comme ça qu'on fait un éclairage. Je vais vous apprendre à faire un éclairage. Un éclairage basique qu'on utilise en photographie, d'accord ? Ou en 3D, n'importe, hein, ça s'utilise partout, c'est un éclairage basique 3 points. C'est comme ça qu'on fait un éclairage basique 3 points. C'est le plus simple, ça fonctionne, et c'est comme ça que ça marche. C'est pas à faire des trucs un peu what ? Que vous pouvez faire, mais si vous avez un mauvais rendu, c'est certainement à cause de ça. N'empêche que j'exècre les gens qui font ça, ça, ça... et qui font leur rendu final. Oula, du coup j'ai l'illumination globale d'activer. Et qui font leur rendu final comme ça. Ça m'énerve. Parce que déjà on voit au sol qu'il n'y a qu'une seule lumière, c'est moche, et du coup, non. Ok. Nos lumières, on va utiliser une lumière de visée. Pourquoi ? Parce que c'est... Voilà.
Alors, on met un éclairage, un spot de lumière, donc. Et ici, on peut voir qu'ici, on a notre lumière cible. C'est-à-dire que notre lumière va toujours pointer vers cette cible. Et c'est pour ça que c'est cool, parce que du coup, on va pouvoir la mettre à zéro. Et donc, elle va toujours pointer vers notre texte. On va la monter, la reculer, et augmenter sa taille. C'est-à-dire pas du tout comme ça, augmenter sa taille. Voilà. Oh, c'est pas vraiment le maximum, mais ça fonctionnera très bien. Non, pas encore. Là, ça fonctionnera mieux. Voilà. Alors, on fait un éclairage toujours par rapport à la caméra. Ici, notre caméra, elle sera, par exemple... on peut... on n'est pas obligé de lui faire faire un travelling. Déjà, on va mettre notre résolution, très rapidement. On va dire 1280 par 720, plutôt. Voilà. Qui est la résolution de base. Et on va mettre ça de dessus, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas besoin de faire de travelling, forcément. Ça donnerait ça. Voilà, pas besoin de faire de travelling. De toute manière, si on n'arrive pas à gérer les caméras, ce sera pas joli un travelling. Donc on met une caméra de visée. Pourquoi une caméra de visée? Parce que la caméra de visée, c'est pareil. Il y a la cible, et ça, on va l'utiliser. Alors, c'est là où ça prend tout son sens de mettre le texte au centre, quand je vous ai dit de mettre dans objet, dans alignement du texte, centré, au lieu de le décaler à la main. Parce que de cette manière, dès que vous avez une cible ou autre, vous la mettez à zéro, et vous avez votre caméra, par exemple, qui pointe directement sur le sac climatique. Bon, là, elle est très mal placée. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite. 0, 0. Voilà. On peut voir juste qu'il est un peu surélevé. C'est normal, c'est parce que le 0, il est... ici, en plein milieu, sauf que lui, il est posé sur le 0, donc le texte est vers le haut. Comment on règle ça? Vous pouvez le faire à la main, ça, à la limite, la hauteur, c'est pas grave. Sinon, vous avez ici votre champ hauteur, d'accord, qui est à... ici, en l'occurrence, c'est le bleu, donc c'est Z. Et c'est 198-168. Copier. Z. Coller. Sur 2. Pas du tout. Parce que maintenant, il faut mettre moins 99. C'est ça? Pas du tout non plus. C'est encore sur 2, alors. Ah, on s'y approche, mais c'est... Ah, quoique. Ouais, c'est ça. 24. Alors, est-ce que c'est ça sur 4? Non. Ça m'a l'air bon. Ouais, là, c'est bon. En dessous du S, on voit que ici on a notre trait. Au-dessus du S, pareil. Le K, pareil. Donc, non, là, on est centré. Donc, ma petite technique, c'est que je prends la hauteur, là, ici, qui n'est pas Y, mais Z, puisque c'est cette hauteur-ci, qui est en fait la profondeur, étant donné que c'est un objet trosifracture. Pardon, je donne un coup dans le micro. Et je le colle, et je fais sur 2. Sur 2, et encore une fois, sur 2. Et normalement, il est centré au niveau de la hauteur. Ok, là, on est pas mal. On sauvegarde. Ctrl-S, vous inquiétez pas, à chaque fois que vous oubliez que votre PC plante, ou que Trozy plante, ou que Cinema 4D plante, vous inquiétez pas qu'après le réflexe du Ctrl-S, vous allez l'avoir tout de suite. Et on a donc notre caméra qui est placée. Alors, il nous faut une lumière... qui va faire notre lumière principale. On va reculer donc pour qu'il y ait vraiment un ensemble que l'on va mettre à 110%, donc qui sera un peu forte, et avec des ombres diffuses. C'est aussi simple que ça. Au niveau des ombres, on va les mettre à 75%, d'accord. Et on va pas mettre un noir, mais plutôt un bleu très foncé. Voilà. Parce que le noir complet n'existe pas. Par contre, le bleu foncé comme ça non plus. Voilà, un peu plus foncé. Voilà, de ce genre-là, c'est pas très grave. N'empêche que vous pouvez changer la couleur des ombres. Ça peut donner un style, j'imagine. J'en sais rien, j'ai jamais essayé. Je pense pas. Mais c'est possible. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là si on fait un rendu très rapide? Rien du tout. Pourquoi on n'a pas les ombres? Masque d'ombre, ombre diffuse. Bah alors, connard? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que je l'approche? Non, en fait, il n'y a pas les ombres. Tu me mens? Ombre franche? Là, oui.
Ah, c'est parce qu'il est trop au-dessus. Ah oui, bah... Ok. Ombre diffuse, donc là en fait ma lumière est mal placée. Il faut la mettre, par exemple, ça, vers le dessus un peu, comme ceci. Par exemple. Sauf si vous... Après ça dépend dans quel... Attends, mais j'ai pas les ombres là, qu'est-ce qui me fait? Pourquoi il fait ça? Je sais pas pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est parce qu'elle se voyait pas assez étant donné qu'on a les ombres à 75%? Normalement non, je fais tout le temps ça. Non, il me met pas les ombres. D'accord, alors attendez, je vais juste sauvegarder. Redémarrer Cinema 4D. C'est étonnant ça. Fichier tutoriel Trozy. Ah non, il me fait toujours ça. Pas mince. Éclairage ambiant. D'accord, bon. Eh bien écoutez, normalement ombre diffuse, ça devrait fonctionner très bien chez vous. Mais apparemment, moi non. Donc on va mettre adaptative peut-être. On va mettre adaptative pour remplacer. Ouais, on va faire ça. Mettre adaptative. 110%, ombre 75%, bleu, nanana, c'est bon. Adaptatif, ce sera un peu plus long, hein. Moi, je vous conseille vraiment les ombres. Les ombres diffuses, pardon. Du coup, je vais concentrer sur mon problème, c'est étonnant, c'est pas grave. Et du coup, adaptatif, ça fonctionnera très bien. Ensuite, on met une lumière, on la copie, donc on va faire contrôle. Et on va la déplacer, on va dire comme ceci. Voilà. On va rapprocher pour qu'elle soit à peu près pareille, juste un peu plus haute et un peu plus loin. Voilà. Voilà. Sauf que on va mettre des ombres à, on va dire, 35% et une puissance à 50%, ce qui va donner ceci. D'accord? Donc on a des belles ombres, très jolies. Ici on a notre petit liseré d'ombre en plus qui donne un effet sympathique. Vous pouvez ajouter les ombres, on va dire peut-être en ajouter un peu, 50%. Voilà, là c'est sympa. Ok. Et ensuite, on va déboucher les ombres justement. Donc on crée des ombres pour en déboucher, c'est vrai, c'est bizarre, mais c'est comme ça. On va enlever les ombres, donc 100. On va mettre ça comme ceci. Voilà, donc toujours par rapport à la caméra, hein. Donc là on est bon. Une en haut à gauche, une en haut à droite, un peu plus loin. Vous faites à l'œil à peu près, hein. Après c'est de la lumière, c'est pas. Voilà quoi, après ça dépend de votre scène bien sûr. C'est à peu près ça. Et on va déboucher les ombres et mettre une intensité, peut-être 50%, ce serait bon. Oui, harcelez-moi, j'adore. Ça a l'air pas si mal, hein. Ça a l'air pas si mal. Si je désactive. Les ombres sont un peu plus prononcées, forcément. Et si elles le sont moins, oui, c'est plus joli. Ok. On garde ça comme ça. Là, on a un éclairage basique, 3 points. Ça nous a pris 5 minutes. Et encore que j'étais en train d'expliquer. En plus, j'ai eu un petit souci avec les ombres diffuses. Je vais y arriver. Mais n'empêche que c'est très rapide. Ça fonctionne bien. Et voilà. C'est aussi simple que ça. C'est la partie d'après qui sera l'utilisation de la réflexion, qui sera non pas l'utilisation mais plutôt l'exploitation de la réflexion pour que ça rende joli. On va prendre nos lumières, on va ranger tout ça, hop, on va appeler ça lumière trollol. Voilà, je veux ça c'est cool. Et on a toujours donc notre caméra avec notre éclairage qui est fait. Juste pour vérifier, on va au milieu de notre séquence pour voir à peu près ce que ça donne avec les ombres. On peut voir que bon, c'est très correct. À la limite, peut-être que la caméra, j'aurais pu la baisser un peu. Genre peut-être comme ceci. Pour accentuer l'effet 3D. Ouais, bon. C'est surtout pour l'effet. Ok. Ensuite, on va utiliser la réflexion. Alors, utiliser la réflexion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
ici, notre texte a une réflexion, on est d'accord ? Sauf qu'ici, il a quelque chose à réflexionner, à refléter. C'est le sol et le texte en lui-même, c'est-à-dire que le M va refléter un peu le G, etc. sur les côtés. Mais c'est nul. Il faut qu'il puisse refléter des fausses lumières. Alors pour faire une fausse lumière, comment on fait ? On prend simplement une luminescence. Voilà. On prend un plan. On va réduire à 0, puisqu'on n'a pas besoin de plus que ça. Et ensuite, on va aller, par exemple ici, on va mettre cube plan, voilà, plan. Et on va faire dégradé. Alors, on va pas faire un dégradé comme ça, on rentre dedans, et on va prendre un dégradé circulaire, voilà. Et inverser les nœuds. Et on va mettre comme ceci, baisser le noir, afin d'avoir juste, voilà, un cercle, et ensuite que du noir autour. Et on met ça sur notre plan. Ça va avoir pour effet de que le texte puisse refléter quelque chose. On peut voir ici. Après, bien sûr, si on le met de façon plus proche, on le verra de façon plus accentuée. N'empêche que notre souci ici, c'est que on peut pas le mettre aussi proche, et étant donné que on peut voir notre plan. Donc, on ne va pas faire un plus grand et le mettre plus haut. On va l'enlever de la caméra. Clic droit, propriété cinéma 4D, rendu. Ce petit tag, c'est un petit tag génial, parce qu'ici, par exemple, on va pouvoir enlever la visibilité caméra. À quoi ça sert ? C'est qu'en fait, ici, quand on va faire un rendu, eh ben, il va pas s'afficher. Mais, il est quand même là dans la scène. On le voit avec les ombres que l'on veut enlever. Mais le plus important, il est dans la réflexion. Et ça, c'est cool. Il me semble qu'il faut enlever la visibilité IG. Je suis pas sûr. Pas du tout. C'est ombre propre, ombre reçue, ombre portée. Voilà, et mais il est dans la réflexion. De cette manière, on peut carrément le coller au texte, et juste pour avoir un effet un peu... comment dire, on va aller dans notre caméra. Juste pour avoir un effet de fausse lumière. On peut aussi faire un autre matériau avec juste de la luminescence. Mettre dessus. De cette manière, on peut voir que ça fait comme ça. Je préfère moins parce que du coup on voit que... Enfin je trouve ça moins joli. Là ici il n'y a pas d'anti-aliasing donc du coup ce sera peut-être pas aussi joli. Donc forcément tout de suite c'est moins joli. Fouh, je suis chaud là. Et donc je préfère nettement prendre un circulaire. Un dégradé circulaire. Comme ça plus joli. Ok et on va mettre ça en grand. Par exemple. Et on va mettre ça pour que ça soit sur le en haut à droite du texte par exemple. Comme... Oula, pardon. Comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà, donc on a notre dégradé un peu ici, c'est un peu plus clair. Maintenant, j'en veux un autre qui vient comme ça en diagonale. Copier, coller. On va mettre ça, comme ça. Hop, et ici, on aura donc une coupure avec... grâce à cette, ce plan-là qui va bloquer... on va d'ailleurs accentuer ça, qui va bloquer l'effet de réflexion avec le noir. On va faire un rendu et on devrait voir que effectivement on a une coupure ici. Du coup ça donne un petit effet un peu comment dire, comment expliquer ça, un peu métallique. Enfin je trouve ça plus joli que qu'il n'y a rien en fait. Du coup là il peut refléter quelque chose. On peut aussi, et vous pouvez vous amuser à faire ça, à faire hop, calque, et dans les calques, rajouter par exemple un autre dégradé, par exemple, que l'on va mettre de là, comme ça, noir, ok, on remonte, et ici on fait produit, et ça nous fait des formes un peu cool. Excusez-moi, décidément, on va inverser les nœuds, non c'est pas inverser les nœuds que je veux, mais en fait inverser les couleurs. Donc on va faire ça, hop, et du coup on aura ce genre de choses, ce qui peut rendre bien aussi. Là on voit pas trop la différence, peut-être qu'il n'y a pas assez de réflexion, donc ça c'est à gérer. On va dans Out, réflexion, 50% par exemple, et rendu. Là on le voit un peu plus,
Et du coup, forcément, étant donné que c'est un peu plus présent, c'est plus joli. Ici, ça fait peut-être pas si bien que ça, l'effet de réflexion. Alors, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut essayer de faire en tout cas, c'est de pouvoir faire un alpha. Et que l'on va, en fait, copier ce canal-là. Copier le canal. Vous savez, dans luminescence, copier le canal. Alpha. Coller le canal. Voilà. Normalement, on devrait avoir en fait que le blanc et pas le noir. Donc, je ne sais pas si normalement on n'aura pas la coupure là. Si on l'a quand même. Peut-être comme ça. Voilà. Ici, c'est du coup, il n'y a pas la coupure. Étant donné qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le noir est directement enlevé. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on a la luminescence de base comme ceci. Et en fait, l'alpha, ce qu'il va faire, c'est que tout ce qui est. En fait c'est un calque de transparence. Noir c'est 0, donc il enlève, il n'y a rien, c'est une transparence complète. Et blanc, le plus blanc possible, c'est 1, et donc c'est aucune transparence. Et le dégradé du coup il va faire, par exemple comme c'est un peu gris, que c'est à moitié blanc, à moitié noir, du coup c'est gris, et ben ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre 50% de réflexion. C'est pour ça qu'ici on a cet effet là. Du coup là je vous apprends à faire une plutôt une très jolie lumière pour vos rendus de ce genre, comme ça peut être un autre genre. De cette manière, la réflexion est utile, et donc vous mettez pas une réflexion qui est inutile et qui ne sert strictement à rien. Ici, les plans nous gênent, donc on va les désactiver pour le rendu, juste ici, en mettant une petite pastille rouge. Et on sauvegarde des milliards de fois pour être sûr. Ok. Maintenant que c'est fait, on va quand même faire, j'ai réfléchi, on va quand même faire un petit mouvement de caméra pour rendre ça un peu plus vivant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre caméra, caméra cible. Pas du tout. On va d'abord mettre un objet neutre, qui sera ici. Donc centré par rapport à la caméra et au texte. On prend la caméra, caméra cible, et on met ça dans le neutre. On va appeler ça traveling. D'accord. Dans traveling, on va simplement le déplacer sur cet axe-là. Voilà, ce sera plus joli. On va mettre ça, donc du coup on va mettre les clés, donc ici on va mettre à 0, on va le déplacer très très peu, juste pour que ça soit vraiment on va dire 400, et à la fin on le met à 0. On va mettre même ici à 190, on va le mettre à 0. Voilà, comme ça il y aura un peu moins d'une seconde pour voir le texte complet. Ce qui donne... Voilà. Ici en l'occurrence, on a un travelling mais il n'est pas en linéaire. On pourrait le faire en linéaire, mais du coup moi j'ai envie que, comme c'est une fin de... Comment dire? Comment expliquer ça? Déjà le début on va le mettre linéaire par contre. Comme c'est une fin de... Ouais non, en fait c'était stupide. Comme c'est une un arrêt de caméra, vaut mieux que ça soit souple. Vous voyez? Qu'il n'y ait pas une coupure nette. Donc là, on voit que c'est très souple, la caméra s'arrête très légèrement. Voilà, c'est super. Maintenant, on va voir quelque chose qui est encore plus cool. On sauvegarde. Et à notre caméra, on va lui ajouter... un tag, cinéma 4D, vibration. Pourquoi? À quoi ça sert la vibration? Ça sert à faire vibrer, c'est aussi bête que ça. On va pas faire les pulsations régulières, vous allez voir. Peut-être que vous connaissez un effet qui s'appelle Wiggle sur After Effects. Alors l'effet Wiggle, c'est donner un tremblement de caméra. Enfin, pas forcément un tremblement, mais en fait un mouvement de caméra qui va faire par exemple ça, très légèrement. D'accord? Pour donner l'impression que c'est une personne qui tient la caméra. D'accord? On peut faire ça dans After Effects, on fait notre image, notre séquence, et ensuite on met un effet wiggle qui va en fait, de base, agrandir l'image, très très peu, hein, généralement il me semble que c'est 103 ou 105%, ça dépend après l'amplitude que vous lui mettez, et ensuite il y a l'image qui va bouger pour donner cette impression là. Ici, on va le faire directement dans Cinema 4D. De cette manière, on va pas avoir déjà d'une à passer sous After Effects si vous voulez pas y passer. Étant donné si jamais vous ne l'avez pas
ou parce que c'est chiant, mais on va utiliser un wiggle fait maison sur le travelling pour la caméra, directement au cinéma 4D. Donc en fait c'est une c'est la position qu'on va changer et très légèrement la rotation aussi. La position, on va mettre par exemple 5 cm partout. Et la fréquence, on va voir ce que ça donne là. Voilà, donc là ça secoue vraiment. La fréquence est trop haute, ça veut dire on va mettre à 1. Voilà, là c'est beaucoup plus souple. Ok, on revient à 0. On va mettre un petit peu de rotation. Donc là, 30 c'est beaucoup. On va mettre 3, 3 et 3. Et 1 aussi. C'est très important de faire des. Oula, là c'est trop. 0,2. Waouh! Wouhou! Où est-ce que tu vas, quoi? Ok. Pourquoi il fait ça? Ah, est-ce que c'est parce que c'est relative? D'accord. Oh là, ok. J'enlève. Ok. J'ai rien dit. On va replacer notre caméra. Position, c'était bien aussi. Hein. Ok. On va revenir en arrière. Tout simplement. Hop. Modifier la position. Ok. Voilà, juste donc ça tremble trop, donc on a une fréquence de 0,5 par exemple. Mais on va ajouter un peu genre 7,5. 7,5 de partout. Voilà. Ça se voit très légèrement que bouge un peu. Voilà. Et du coup ça va ajouter un chouïa de réalisme. Bon, c'est un peu stupide d'ajouter du réalisme sur un. Sur une scène que j'appelle abstracte, étant donné que bah, c'est un texte voilà, qui se pose, ça n'existe pas en vrai, une apparition comme ça de texte, on peut pas le faire, c'est quelque chose de virtuel, on peut le faire que en 3D. Donc c'est stupide d'ajouter du photoréalisme là-dessus, à part bien sûr la réflexion et autres, et encore que, mais à la limite, voilà quoi, c'est pas. Voilà, donc on a toujours notre effet, notre éclairage et tout, tout est bon. Qu'est-ce qui manque ici, c'est la texture du sol. Qu'est-ce qu'on va mettre en texture du sol? J'en sais strictement rien du tout. Déjà blanc tout court, ça. Mince. Une bêtise. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. On va se mettre là. Déjà, si je mets tout blanc, qu'est-ce qui se passe? C'est moche, ok. Déjà, on va enlever la spécularité, on est tous d'accord. La couleur, est-ce que je mets une couleur? Moi j'aime bien mettre un gris noir là, comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Ok. Ouais, c'est nul. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter une réflexion, remarque, très légère. 30%. Du coup, on va voir notre éclairage. Ici. Ok, donc à ce moment là on va ajouter un éclairage global pour le sol simplement. On va prendre un plan, on va remettre à 0, et à ce moment là ici on va le mettre assez grand, voilà, et on va faire sa propre lumière. Hop, on va enlever tout ça, on va mettre luminescence dégradé, et on va mettre diagonale comme ceci, sauf que là c'est à l'envers, enfin moi je le veux à l'envers, inversé bien sûr, vous adaptez toujours. On l'affiche pas comme ceci et on lui met le même tag que les lumières précédentes, voilà, de cette manière normalement, voilà, c'est plus clair en haut à gauche. D'ailleurs on voit très fort le ce que j'aime pas vraiment en plus. D'ailleurs on va lui mettre du coup l'alpha que l'on va copier. Non, en fait ce qu'on va faire c'est que tous les bords on va les mettre en noir. Alors comment on va faire ça? On va faire comme tout à l'heure un calque, voilà. Matière, il nous faut un dégradé. Est-ce que j'ai pas un dégradé en boîte? Voilà, parfait. Inverser les nœuds, bah voilà,
Alors là, notre truc, on remonte, produit. Non, il faut forcément ça. Je peux pas l'avoir plus blanc. Bon, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne déjà comme ça. Oui, ça marche. C'est plus clair vers le haut à gauche que le bas à droite. Ça ne doit pas tant que ça. Est-ce que je ne peux pas accentuer l'effet en faisant superposition ici? Mais là, c'est un peu trop. Parce que si je mets à 0, c'est noir. Ok, alors on va faire ça. Hop. Voilà. Là, ça se voit non seulement sur le texte, mais en plus sur le sol. Mais du coup, là, on a l'impression qu'il y a comme une réflexion sur le sol, mais qu'elle est... attends, on dit bluriness en anglais, mais c'est une dispersion. Avec une dispersion, sauf que là, il n'y en a pas. Donc déjà, ça va nous augmenter le temps de calcul pour le rendu que ça donne. Parce qu'on dirait vraiment qu'il y a une dispersion. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. J'avais oublié, mais en fait ici les petites particules, enfin les particules pas du tout, les pans ici qui s'ajoutent, je veux en fait qu'ils tournent. Dans position, on va ajouter rotation avec une majuscule s'il vous plaît, parce que nous on n'est pas des cacas. Rotation, et on va ajouter quelque chose de plus, voilà. Voilà, qui est une petite rotation. Est-ce que je déplace pas c'est juste que ça se voit pas en fait. Ah voilà, okay. Bon, on va mettre 30. Voilà, ok pour ça. Et ça va donner ceci. Ok, est-ce que je peux pas zoomer un peu? Ok, alors on va zoomer. Sauf qu'à la fin, on va reculer très légèrement. Hop, on avance notre caméra. On peut voir que là, on est au début. Là, on voit très bien ce qui se passe. Normalement, si je fais... On va mettre une clé. Ici. Et on va dire que... Ici, c'est toujours pareil. Donc, on garde. Sauf qu'il va reculer à partir de là. Il y aura 170 jusque là comme ceci. Ok, voilà, c'est très bien, c'est très simple, c'est parfait. Bah voilà, on est pas mal là déjà, on est pas mal sur, on a un effet plutôt sympa, notre mouvement de caméra est fait. On a nos matériaux, même si j'aime pas forcément le matériau au sol, bon, à la limite, tant pis. Maintenant, il faut faire nos paramètres de rendu, parce que là, ils sont pas faits. Alors, on va dans les paramètres de rendu. Anti-aliasing, on met au mieux 1x1. 1x1, on peut. Si votre rendu est un peu trop long. Moi, j'ai plutôt un bon processeur, donc je mets 1x1, 2x2. Au-delà, c'est inutile. C'est vraiment inutile, je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Ensuite, je veux une illumination globale, est-ce que je la veux? Oui, allez. On va mettre... ici, vous n'êtes pas obligé, mais du coup, moi, je fais ça très rapidement. 64, c'est très bien. Je fais ça très rapidement, non pas pour vous montrer, mais pour le rendu en lui-même. Voilà, on va essayer d'optimiser ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc on a plutôt de belles ombres. Déjà, on peut s'en rendre compte, on voit bien l'occlusion ambiante qui afflue bien là de cette manière comme on a posé le texte avec le biseau. On peut voir ici les réflexions qui changent du coup, et du coup notre effet qui sera plutôt, il me semble, joli. Petite astuce, si jamais... vous voulez que votre texte reste craquelé très légèrement,
vous allez sur votre texte et vous ajoutez un autre effecteur randomisation. Sauf que vous allez mettre genre 0,2, 0,2 et 0,2. Voilà. Quand vous allez faire un rendu, avec l'occlusion... On va enlever l'illumination globale qui pète les couilles. Avec l'occlusion ambiante, on doit avoir des petits traits. Voilà, on voit légèrement des petits traits un peu craquelés. C'est joli. Après, vous pouvez accentuer ça avec en ajoutant, bien sûr, des... on va mettre 0,5, par exemple. En ajoutant des centimètres. 0,5, ça m'a l'air pas si mal. Je réfléchis si je fais ça, tiens. Est-ce que je ferais pas ça, de base? Pas vraiment dans le thème, mais bon. Bof, le thème, c'est quoi? C'est Trozy. Wow. On va faire ça. On va garder ça. C'est plutôt joli. On va garder ça. Ok. C'est parti vite. Hop. On va remettre l'illumination globale. On va laisser ça comme ça. On va mettre un plaçage de lumière parce qu'on a des grosses boules. Ok. Et si on fait un rendu d'une image? Qu'est-ce que ça donne? J'ai complètement oublié de sauvegarder. À chaque fois que je fais un rendu, je sauvegarde. Mais là, je suis trop concentré sur ce que je fais. En fait, je suis en train de voir qu'on est déjà à 1h05 de tutoriel. C'était pas du tout prévu comme ça. Je crois que j'ai un petit peu trop tergiversé. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaît, quand bien même le fait que je parle tout le temps et que je parle dans des sujets un petit peu random et un petit peu stupides qui ont pas forcément lieu d'être ici. Encore que, à vérifier. N'empêche que au niveau du rendu, pour en revenir au rendu, c'est pas si mal. Ici, on a par contre des... on voit sur les ombres des espèces de... comment appelle-t-on ça? Un petit bruit dessus. Est-ce que c'est pas parce que... déjà, j'ai une mauvaise précision ici. Et parce que, et ça c'est très important à vérifier, dans les lumières, est-ce que mes lumières ont assez dans le masque d'ombre? Oui, du coup, j'en ai plusieurs. Dans la précision, on va mettre 100%. Échantillon minimum 2. Voilà, et on va faire ça partout. Ce sera plus long, mais plus joli. Et il me semble que c'est tout, hein. On est vraiment bien là, hein. De toute façon, c'est des adaptatives. On est vraiment bien. Là, il manque plus qu'à faire le rendu final. Et puis... et puis rouler jeunesse, comme disent les vieux. De toute manière, on va voir un petit peu ce rendu-là, ce que ça va donner. C'est très correct, hein. Ça fait déjà beaucoup plus pro que les sols avec juste de la réflexion. Ce qui est immonde quand c'est gris avec plein de réflexions comme ça, et puis un effet un peu dégueulasse. Trozy ou PolyFX ou ce genre d'effet très très beau, mais ce que les gens en font n'est pas forcément terrible. Pire, les gens qui font des tutos dessus sont vraiment pas terribles d'habitude. Mon but étant de faire un tutoriel assez complet. Là on est vraiment bien là, franchement c'est très simple. Ça reste simple, même si c'est une heure, dites-vous qu'une fois que le rendu est fait, il n'y a plus à le faire, il n'y a plus rien à faire, vous avez juste à sortir ça, à le mettre au début de vos vidéos, et après c'est torché. Vérifie juste l'image finale, très important. D'habitude, il faut faire l'image finale, le milieu et le début. Bon, là, en l'occurrence, le début, ça sert à rien, il n'y aura qu'un sol. Et puis là, on fait juste la fin vite fait. On récapitule, on a fait un setup complet de lumière, un vrai setup de lumière, un vrai setup de réflexion, plus ou moins, ça c'est adapté, il n'y a pas vraiment de setup, mais bon, on en a fait un quand même. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait des matériaux très simples, n'empêche que ça rend pas si mal avec la réflexion et tout, j'essaie de rester au plus simple possible, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? On a un effet Trozy, donc un effet basique, avec un plugin très basique que tout le monde connaît, mais ici qui est plutôt bien rendu. Quoi d'autre? Les effecteurs, donc on a un effet d'apparition qui est très bien. Je rappelle quand bien même, pour ceux qui n'ont pas encore compris, que l'effecteur, si jamais vous voulez ce qu'on appelle un out, j'adore quand tu... si vous voulez un out... petite dédicace à Lucky d'ailleurs,
passez voir sa chaîne, elle est vraiment sympa, je la mettrai dans la description, au passage. Si vous voulez vous monter de config ou quoi, pourquoi pas. Il fait des vidéos, enfin il a fait une vidéo dessus, il me semble d'une trentaine de minutes, qui explique vraiment, plutôt bien, ouais vraiment bien, comment se monter un PC, les choses à faire, attention et tout. Il y en a plein sur internet, mais allez voir la sienne parce que lui c'est bien, voilà. Ok, donc on revient au tuto, ici donc. Si vous voulez simplement faire un out, donc un comme un outro, mais pour faire partir votre texte, donc vous inversez simplement les clés d'animation pour que ça soit à l'envers. Vous pouvez aussi d'ailleurs, petite idée, ça apparaît, ça disparaît ensuite et faire apparaître de la même façon un autre texte. Par exemple, j'aurais pu faire Sacrimatique et Chanel par exemple. J'aurais pu. Et ce serait plutôt bien en fait, hein, maintenant que j'y pense. Ce serait plutôt bien. C'est des choses à ajouter, c'est toujours comme vous voyez. C'est dès que vous avez votre vision des choses, c'est parfait. Écoutez, moi je vais passer au rendu. On va pas mettre de motion blur, rien. On va pas s'embêter avec ça. On va juste faire les paramètres d'enregistrement. Moi je vais mettre ça, j'ai un petit dossier rendu photo, parfait, qu'on va appeler tutoriel Trori, bien sûr. Trori, ok, c'est cool. J'ai 3 et I. Ok, on va y arriver, c'est cool. Et underscore. Pourquoi? Parce que moi, je fais en TIFF quelques PSD parce qu'il y aura beaucoup d'images. Il faut le faire ensuite d'images. Je vais vous expliquer pourquoi. 16 bits par canal parce qu'on a des grosses boules. Pourquoi ensuite d'images? Parce que si vous le faites en AVI, s'il y a quelque chose qui plante n'importe quand, ça peut arriver n'importe quand et sur n'importe quel PC. Surtout quand vous avez des plugins comme Turbulence FD ou ce genre de choses, ça peut planter à n'importe quel moment pendant le rendu. Et là, si vous avez commencé en AVI, il faut recommencer depuis le début. Si vous faites en TIFF, dès qu'il a calculé une image, elle est rangée dans le dossier ici, enfin dans votre dossier. Et ensuite, il passe à la suivante, etc. C'est-à-dire que si à la 179e frame sur 180, ça plante, vous n'avez plus que la dernière à faire. Ok ? C'est toujours comme ça qu'il faut faire. L'anti-aliasing, 1x1x1. Oui. Option, ok. Illumination globale, on a notre petit plaçage de lumière. Pourquoi pas, oui, allez, c'est bon, on va mettre ça. Définir le nombre d'échantillons, on va laisser à 64. On va mettre un bon lissage avec un bas, voilà, bon, on va laisser ça comme ça. Occlusion ambiante, on est bon. On n'est pas au top, mais on est bon. Ce sera très suffisant, une occlusion ambiante de base. Et puis voilà, on va passer au rendu. Moi, les gens, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le rendu et tout, et dès que le rendu est fait, je vais coller les images avec After Effects, et puis je vous passe ça ensuite à la suite de ce tutoriel pour que vous voyez là tout de suite ce que ça donne. Donc moi je vous laisse ça maintenant, ça ne veut rien dire, je vous laisse maintenant tout court. J'espère que ce tutoriel vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère aussi que je vous ai appris des choses, et j'espère aussi que vous allez réussir à tout suivre, et surtout, et c'est le plus important, en 3D, et d'ailleurs dans tout ce qui est métier créatif d'infographisme par exemple, ou d'art, c'est d'avoir votre propre pensée et votre propre idée de ce que vous voulez. D'accord ? C'est-à-dire que recopier ce que je viens de faire, c'est stupide. Je fais un tutoriel stupide, de base. Pourquoi ? Parce que il faut pas recopier ce que les gens font. Là, je vous donne surtout, c'est pour vous illustrer le fait qu'on puisse... Là, par exemple, des petits trucs comme le wiggle, l'effet wiggle, le tremblement, le caméraman, par exemple, ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser partout. Mais c'est quelque chose que vous devez utiliser quand c'est nécessaire. Quand vous pensez que c'est nécessaire. Il faut d'abord penser ce que vous voulez. D'accord ?
Pareil pour tout ce qui est réflexion. Vous pouvez faire votre propre réflexion sur le, par le texte, je parle. Pour le sol, etc. C'est des choses que vous devez penser vous-même. C'est très important. Même quand vous êtes débutant, il faut que vous vous dites, voilà, je veux ça. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir ça, ça, ça? Bon, il me faut un test qui se casse. Bon, j'ai vu qu'avec Trozzi, on peut faire ça, ça fera l'affaire. D'accord? C'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Donc voilà, sur ce, sur ces bonnes paroles où je parle beaucoup d'un seul coup et où je dis des choses vraies, ou peut-être que vous pensez fausses, quand bien même, dites-le moi dans les commentaires si je raconte de la grosse chiure. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout si vous l'avez regardé. Vous êtes très courageux. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, laissez-le moi dans les commentaires savoir si, s'il y a des gens qui regardent jusqu'au bout. Tiens, je serais curieux de voir ça. Et quand bien même, je vous remercie beaucoup pour le fait d'être actif sur ma chaîne. À l'heure d'aujourd'hui, il me semble qu'on est à 180 abonnés. Ça monte plutôt vite, plutôt bien. J'ai l'impression de... Il y a deux speed art, j'avais quand même fêté mes 100 abonnés. Donc franchement, sur ce coup-là, vous assurez quand même. Je trouve ça extrêmement génial d'avoir des gens derrière qui puissent me dire « Bon voilà, ça c'est bien, ça c'est pas terrible. Tais-toi plutôt quand tu fais tes tutos, c'est mieux. Là tu parles trop, là tu parles pas assez. » Ce genre de choses. C'est toujours des choses qui vont pouvoir m'améliorer dans le métier de l'infographie, comme un travail sur moi-même, étant donné pour l'élocution, pour la confiance en soi, de pouvoir parler, s'adresser à des gens, etc. C'est très important ce genre de choses, même si ça paraît stupide comme ça de parler seul chez soi en faisant un tutoriel. N'empêche que quand vous faites un tutoriel vous-même, vous sentez que c'est un travail sur vous-même quand vous parlez, quand vous adressez à des gens que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas s'il y aura 3, 4, 200, 1000, 2000 personnes qui vont écouter ce que vous dites, ça fait quand même un travail sur soi-même. Sur ce, je vous laisse, je vais réussir à vous laisser. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker, surtout mettez-moi des pouces de partout, j'adore les pouces, mettez-moi en plein. Commentez mes autres vidéos, visitez ma chaîne et tout, n'hésitez pas à communiquer avec moi, je réponds tout le temps à tous les commentaires. Là pour le moment j'ai pas assez de personnes pour pouvoir me dire ouais j'ai pas trop le temps et trop de gens et tout. Là vous pouvez me bombarder de questions sur ce que vous voulez, et ce à n'importe quelle heure. Je répondrai normalement dans les 12 à 24 heures qui suivent, parce que j'ai que ça à foutre. Bon allez, ciao à tous.